Coucou YouTube! Du coup, on se retrouve pour une M4 designée Made in Michelin. C'est une M4, les gars, à 30 balles qui déchire. Vous l'aurez en description ou tout simplement ici en regardant maintenant. Et avec cette M4, on va faire un petit saccage. Je vous laisse regarder la fin de game. Peace! Des produits, petites lunettes fines, belle monture, de quoi être à la mode en toutes circonstances, chat. Il y en a pour tous les goûts. Mes préférés. Et si vous voulez les découvrir, les gars, c'est très simple. Hop, vous allez là, les gars. Vous allez sur ce live, là où il y a ce BG. Que voit-on? Guenard partenaire, nous cliquons dessus. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lumières anti... à vue sur ordonnance, avec correction, lunettes anti-strabisme. Presbyte surtout. Le pack Guenard Gado. Regardez-moi ça, les gars. En plus, les meilleures ventes. Celles-ci, je les ai, les Razer. Elles sont bien. Elles sont belles, en fait. Et là, on peut prendre ça, en fait, tout simplement. Et sur le site, vous pouvez tout découvrir, les gars. C'est extrêmement simple de s'y balader. On vous explique à propos les différents partenaires, qu'est-ce qui les revend, s'il y a plus de renseignements. Vous pouvez tout savoir, les gars, juste ici. Voilà, les mecs. Merci, Guenard. Fier d'être partenaire avec eux. Allez, hop. Maintenant, les gars, on va gamer. De l'humour, du talent, du divertissement. Et merci Dark Fuya pour les 4 mois poulet. C'est à chier la M4. Je suis sûr qu'une fois que j'aurai joué à la M4, vous allez la kiffer, les gars. Vous allez voir. Vraiment, la M4 c'est plus fort que la. Pour moi, la M4 est plus forte que la Kilo. C'est juste qu'elle est pas beaucoup utilisée. Rejoignez la zone de sécurité. Ah, monsieur White. Non, en gros, quand je joue avec mes invités, ça dépend du niveau de l'invité, tu vois. Par exemple, si je joue avec Norby, je vais faire que de la duo. Parce que je sais qu'en 2v3, on va se faire défoncer. Par contre, si j'ai un Saxy ou un Skyrose, ouais, là, on va pouvoir faire de la 2v3 ou 2v4. Hein, parce que c'est des bons joueurs. En fait, il a bloqué la porte parce qu'il était en train de ressortir. Il était en train de ressortir exactement. Du coup, ça, c'était à celui qui avait fait son move en premier ou qui avait le plus d'élan. Et c'est lui. Ouais, vas-y. En fait, quand tu spawns sur le toit ici, tu peux prendre un kill ou deux. Et c'est le ghetto. J'adore ça. Mais si tu veux spawn sur le toit de l'hôpital et gagner à chaque fois, tu spawn là, tu prends tes petits stuff, t'attends que ça fight en haut, tu montes, tu tues celui qui a survécu, GG. Mais c'est pas trop le beau jeu, tu vois, de faire ça. What? Mais les gars, il y a quoi une personne qui essaie de me backstab, les gars? Les gars, c'est mon merde, il s'est barré. Il s'est barré, le mec. C'est pas incroyable d'être une pute à ce point? Il y a un type qui est venu pour me backstab, il s'est barré.
Vous êtes des amours, ce chat. Chat, écrivez plus 2 tous ceux qui aiment pas Norby. On a localisé une caisse de ravitaillement. Sécurisez la position. Parce qu'il a l'impression que vous l'aimez, mais faites-lui un retour à la réalité, s'il vous plaît. Merci chat, je pense qu'il a compris. Tu préfères le gros nœud Norby ou le petit nœud pour, en termes de pendaison, tu vois. C'est une journée de merde sur la pluie, merci de me remonter le moral. Qu'est-ce que tu branlais sous la pluie, gros, aussi? Ok, bon ben, elle semble parfaite, cette M4. Nous allons donc l'essayer sur le camion qui arrive. Elle est parfaite. C'est abusé. Regardez ça. Elle est pas sublime, les gars. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique la M4, frérot. Ah, merci, les mecs. Pourquoi 30 balles? Parce qu'on est en solo, les mecs. Et je pense pas avoir besoin de plus de 30 balles pour tuer quelqu'un. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas. On verra. Elle est belle, hein? T'es folle. Bébé, t'as vraiment aucun goût, hein? C'est un truc de fou. Mais elle est trop belle. Elle est trop laide. Bébé, on est dans un vanille fraise, là. Je crois que c'est impressionnant, un vanille fraise. M4 oh. Vanille fraise. Frère Mich. Que la vérité soit. Un français. Ennemi repéré. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitailler. Par contre, ça vous semble pas trop simple, les gars, avec une M4 comme ça. J'ai l'impression que le jeu est giga simple là comme ça. T'as vu, elle est trop bien cette arme. Je t'avais dit de la jouer. Ouais, mais c'est un peu trop simple. Envoyer un dispositif de reconnaissance. Pas forcément giga cool. Comment ça, c'est pas... Attends, le mec il joue R9 et il vient parler, tu sais. Mais je... C'est trop simple, c'est mais je jouais R9 rarement en solo. Ouf. Rarement de ouf, hein. Mais quand je le ramasse, tu vois. Ouais. Tu connais. Merci Jaff pour les 2 mois. Il est débile. Il m'aurait mis la tête au quart, j'aurais bégayé. Mais Colin, pourquoi tu supprimes les messages? Ils sont marrants. C'est qui la poissonnière qui crie? Une arme de michetonneuse. Mais t'es un bâtard. Il y a un dispositif de reconnaissance. Son action de modération. C'est bien, Colline.
Merci Jaf pour les 2 mois, gros. Les mecs, apparemment il y a 2 types qui sont là-dedans. Ouais, on va essayer de les croquer. Ah, ils sont en train de se réunir, on dirait. Attention, oh, quelle bande de tocards, sans déconner. Ils sont, ils sont dans les escaliers, je sais pas trop ce qu'ils font. T'as quelqu'un là-haut au final ou pas? On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Ça passe pas à travers, biche. You suck. Ouais, c'est ça, moi. Ouais, mais j'ai survécu à un shotgun en feu, c'est pour dire. Putain, il m'a foutu le feu l'autre. Vous avez vu les gars, j'ai besoin de 30 balles par joueur. C'est rare que ça aille au-dessus. Et puis même mon point fort à moi c'est la mobilité. Donc il vaut mieux que j'ai des petits chargeurs. Le mec campé ça les gars. C'est moche. Il est midi 25. Yo à ceux qui viennent d'arriver, qui viennent manger. Bienvenue les nouveaux. D'ailleurs les gars, je voulais vous féliciter, on a dépassé les 170 000 follow. C'est ouf ça. Pulsation F. C'est une nouvelle M4 les gars, vous la trouverez pas en description. Si elle est bien, on la mettra. Et ça, Mich-Mich ? Sûrement. Je sais pas encore, mais ouais, sûrement. Ouh. Tu vois ? Ça, c'est quand je tire trop à gauche et que le mec, il met que des headshots. Hein. Tu brûles, frérot. Presque 7000 viewers. Oh, on est 6000, c'est déjà énorme. Rajoute 3 jours, Tatanus, pas juste délette. Ça. Exactement, Alexis, t'as résumé mon truc. Hein. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la ah, vous avez vu, les gars? Il y a 2 points. Ouais, ça va me camper là, comme d'hab. On va prendre cette voiture pour aller plus rapidement en zone, les mecs. J'ai le gameplay, merci les mecs. C'est rare que je joue avec une vraie arme et avec le boubou. Je trouve ça très très fort. Alors ils peuvent être à différents endroits, ils peuvent être juste devant en haut. Il peut être là, juste devant moi en bas, attention, légèrement sur la droite. Non. À la base pour il est pas là. Ouais, j'entends que t'es là. Tiens, rien. On va lui prendre son camion, les mecs. On va se barrer. Mais, résumé, les gars, je viens de bloquer le camion. J'avais pas fait gaffe que le gaz avançait. Mais en fait si le gaz avance de ouf, du coup les mecs qui sont en train de camper là, ah bah ils vont devoir sauter, logique. Il y a 2 mecs. Il y a un sniper. Ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre la bagnole de côté les gars et on va les pêcher.
That tracking, bro. Allez, on trace. On va te faire réchauffer un peu. Ah, c'est vrai. T'as des lasers aussi, j'ai acheté. Sélection naturelle. Ah, la sélection elle a été un peu rude, gros. C'est quand la prochaine compète que tu vas faire? Je suis invité au Twitch Rival le 17. Il y a le Lord of Warzone. Il y a le Lord of Warzone qui va suivre. Pas longtemps après. Clip that shit, boys. Il m'a collé la termite. Du coup, ben, logique, hein. Il est monté, je l'ai paralysé, mais il est monté quand même. C'est grave plaisant de jouer à la M4, les gars. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué avec une nouvelle arme. Une nouvelle bonne arme. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, chat, du chargeur de 30 balles au final? Maintenant que je joue un peu avec, etc. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y en a besoin de 60? Ou votre avis, il a commencé à changer un peu? Normalement, si je joue avec une vraie arme, je suis censé pouvoir monter à 20 kills sans forcer. Il y a même pas de débat à avoir ou quoi que ce soit, c'est je suis censé faire 20 kills. Si je fais pas 20 kills, c'est que j'ai fait de la merde. Il va descendre. Ça s'appelle comment si je track ou aïe? Allez, là, il a pas de choix que de descendre parce que je lui ai mis la pression. Là, il remonte. Il va pas pouvoir remonter bien haut. Thank you.
donc qui m'a tiré dessus en backstab du coup alors que j'allais le tuer. Putain, il me restait plus que 2-3 balles à mettre dans son corps vu qu'il avait plus de shield. Ouais, là tu vas pas te montrer évidemment. Putain, c'est les pires joueurs. C'est vraiment les pires joueurs. Il y a l'autre qui se balade avec son... Comment ? Joli sandwich les gars, joli sandwich. J'ai refailli mourir dans le top 10. Encore une fois. Par contre vous avez vu ce qu'il m'a mis le mec sans... il a même pas visé. Il a tiré sans viser les gars. Le mec qui est dans la montagne. C'est peut-être parce que je me suis fait tuer 5000 fois par des cheaters les gars que je dis ça. Mais c'est pas normal ce que j'ai pris. Parce qu'il y a même pas eu le laser, il y a rien eu. C'est un skin de base. Quand, les gars, quand un skin de base met un shot comme ça, sans viser, à la mire... Non. Il a quickscope. Gros, c'est un skin de base, gros. Ce qui dit skin de base, dit débutant. J'y crois juste pas à ce qu'il m'a mis. Ou un VLK. Le mec qui est là-haut, les gars... Soit il est extrêmement fort et il a zéro thune à mettre dans le jeu pour s'acheter le moindre skill, soit il cheat. Putain, ça sent bon le parma là. Le gaz se rapproche, changement des zones de sécurité. Voilà. C'est notre client les gars ça. On reconnaît les shots. Regardez-le partir. Quoi? Il s'est foutu une frappe sa propre gueule gros. Lui il faut le tuer les gars. Ce mec là les gars, je suis intimement persuadé qu'il triche. Smooth. Ouh. Je suis dans la merde. Il reste 10 mecs, je suis dans une cuvette. Les gars, c'est quoi ses stats à ce mec? Il s'appelait Ombre Solaire ou je sais pas quoi. Je suis dans la merde. Je suis dans une de ces merdes, les gars. Attends, je peux faire tirer dessus de la gauche, de la droite, du milieu. Oh, tu as la zone. Ouais, non, mais j'ai la zone. Il y a à avoir la zone et à avoir la zone, quoi. Regardez, vous avez vu le mec derrière moi dans la montagne? Il va sûrement me tirer dessus. Donc ce mec est allongé dans le buisson, les gars. Vous avez vu la balle qui m'a frôlé, les gars? Hop, je peux pas switcher d'arme. Il y a deux camions, les gars, encore qui restent. Il y a un camion juste là à ma gauche, sur la hauteur. Un autre un peu plus en haut. Il y a un sniper côté droit et un autre sniper au fond à droite. Cette game, les mecs, vraiment, elle va être très compliquée. Très, très, très compliquée à la win. Même si j'ai une super arme. Bon, j'ai les informations sur quand même beaucoup de monde. J'ai les informations sur deux camions et deux snipers là. Ce qui fait qu'il ne manque plus qu'une info. Et j'ai les infos sur tous les joueurs du jeu.
Tu vois, lui, j'ai pété son truc et pourtant j'ai aucune info sur lui. On aurait dit que c'est. Il s'est pas foutu. Hein. Le sniper qui me tire dessus. Voilà. Le joueur était dans le gaz. Classique. On avance. Ok les gars, c'est un top 3 pour le moment. Un sniper m'a pris en visu là, mais il y a un autre sniper sur l'autre flanc de la montagne, je le sais. Alors lui, il m'a scopé, mais... J'ai marqué une cible. T'as raté ta balle, j'avance. On part sur une petite paralysante sur la droite. Ok les gars. Petit exec, ça c'est un petit flex. Il avait push sur le côté. On a perdu la bataille. Ah, c'est allé si vite.